C'est quoi ça? Mettez-la sur la table. Oui, comme ça. Attention. Avec les pattes, on ne sait jamais. On ne bouge plus. Vous savez, quand c'est enflé vers l'extérieur, comme c'est le cas ici, c'est qu'on a une dent en très mauvais état. Je vais lui retirer cette dent, vous voyez? Approchez, c'est très affecté. Elle va avoir des antibiotiques. Je vais voir comment l'anesthésier. Mettons-la sur la balance. Kathleen et Sadie travaillent dans un élevage voisin. 18 kilos 100, parfait. Caresse-la, Diane. T'as vu comme elle est douce? Incroyable. Oh, Seigneur. Harriet est très douce. C'est peut-être la plus docile de nos kangourous. Elle aime qu'on s'occupe d'elle, elle adore les câlins, les gratouillis. C'est vraiment un kangourou adorable. Posons-la sur la table. Elle devrait rester tranquille. D'accord. Retirons cette dent. Tenez la serviette en papier. Très bien. Comme pour un cheval. Oh là là. Mais elle est pourrie. Ça sent très mauvais. Quand il a voulu l'arracher, la dent s'est écroulée et l'odeur était horrible. Complètement pourrie. L'odeur était insoutenable. Et moi, j'étais juste à côté de sa gueule pour la lui maintenir ouverte. J'étais aux premières loges et c'était moche. On y est. Elle va se sentir beaucoup mieux. Je peux la lâcher? Oui, c'est bon. Ah, quelle odeur. Je vais l'emballer. Un souvenir pour la route. On va lui donner quelques antibiotiques et tout ira bien. Tout devrait bien se passer pour Harriet. Elle va guérir. L'infection devrait vite disparaître et elle pourra manger normalement. Bon, voilà, problème résolu. Génial. J'adore quand je peux aider.